suis le prophète Joël Crasson. Et à cette date d'aujourd'hui, de vendredi, il dit combien d'heures, hein? 13. Nous sommes juste à la porte d'entrée de Ofa. Ofa, la région d'Anébi, c'est le prêtement pour lui. Une action de prière qui vivront concernant une famille. Voilà, donc c'est affaire à suivre. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, interviens pour ma cause. Élève la voix et commence à prier. Dis-lui de t'apporter la délivrance. Élève la voix, prie. Prie. Et recommande-lui tout ton sort. Dis-lui d'agir en ta faveur, de faire quelque chose pour toi. De t'apporter la délivrance. Continue de prier. Et remets tout ce moment en sa main. Prie. Élève la voix, ne murmure pas, ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Et recommande-lui tout ce moment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame plus fort Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu peux l'acclamer encore?
Amen. Merci pour ta présence. Et nous voulons te salmodier pour ta présence. Et merci de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La gosia ziliwao. La gosia ziliwao. Mo la gosia ziliwao. C'est une victoire. Amen. Amen. Ne pas avoir peur. Ça doit être vraiment une joie pour vous. Elie la gana, maman kere kemo. Kere kemo, adidi yaongo. Kamo suyona, maman kere kemo. Kere kemo, adidi yaongo. Amazon. Thank you.
C'est quand tu négliges de quitter la sorcellerie qui te détruit. Moi, je suis homme de Dieu. Je ne suis pas venu vous utiliser. Tu es une maman. Je sais la sorcellerie que sur toi, je connais. Je sais, tu t'appelleras. Je suis prêt à t'aider. J'ai dit pour moi, je suis prêt à t'aider. Voilà. On peut te délivrer de la sorcellerie. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai entendu à te dire. La dame qui est juste derrière là, c'est qui? Celle-là. Oui. C'est ma femme. Ok, venez madame. Vous m'avez dit de faire un travail, non? Oui. Faut pas ça vous frustrer, hein? Non. Pourquoi? Non. C'est ce que vous faut t'asseoir d'abord, je vais commencer avec la parole. Allez. Xavier, moi je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à attendre. C'est qui en toi là? Je suis prêt à aider ça. Ça te gâte? C'est ça non? Ça tente de détruire. Moi, je peux t'enlever ça. Moi, chez moi là-bas à Divo, c'est chez moi les sorciers viennent se cacher. Non, parce qu'ils sont fatigués. Oui. Oui, ils sont fatigués. Parce que tu es là, on peut te donner la sorcellerie. Or, pour sortir dedans, il faut avoir quelqu'un pour t'enlever dedans. On ne sort pas d'une confrérie comme ça. Il faut connaître certaines choses. Donc, tu vas beau parler. Non, je n'ai pas toutes les bouteilles. Devant cette bouteille. Je suis venu, c'est une occasion d'avenir. Moi, je ne m'apparais pas comme ça dans une famille. Je suis venu pour te guérir. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Okay. Dieu n'est pas dit. Hein? Je suis fatigué avec moi. Non, c'est pas malade. Hein? Mais c'est la complice qui était là. Qui vient traduire? Bon.
boulot qui fait que tu peux nous rassurer. Elle comprend pas français? Elle comprend pas français. 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 Elle dit qu'elle est d'accord. Elle est d'accord. Elle dit qu'elle est d'accord. J'ai expliqué ça, mais elle a compris. On va devoir parler. C'est la plus grande étape. Parce que quand on dit on est d'accord, c'est qu'on dit ce qu'on a fait. Or, si elle ne dit pas ce qu'on a fait, elle a fait. Qu'il a blessé mon nul, vous n'allez plus le connaître au monde. Est-ce qu'il a compris ce qu'il dit? Non, les aveux. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est qu'elle a fait. C'est qu'elle a fait. Oui, bon, au point, tu dis que tu es sorti, non? Oui. Tu dois dire ce qu'il a fait. Mais c'est ça la belle confession. Oui, je vais bon, mais vous, femme, vous ne faites pas, vous amenez-nous à l'occupation de la personne. Il faut dire en 30 minutes, ça serait. En 30 minutes. Une minute de place, ça calme. Et vous pouvez l'observer, Ma vieille, tu veux t'aider ou bien tu veux que je signe ton décret de mort? Vous nous faites le conseil à la fin, vous n'avez pas vu d'abord le problème. Le génie dont il parle, c'est un dragon. Ce n'est pas un génie, c'est un dragon. Or, le dragon, là, elle alimente avec les êtres humains. Tu comprends? Oui, je comprends. Elle, c'est un dragon qui est là, qu'elle nourrit avec les êtres humains. Or, le dragon, il boit le sang des gens. Il faut lui dire ça. Donc, vous nous faites le dragon, là. D'abord, il dit, il dit, oui, papa. Non. À la justice. Mais si tu es tombé, personne ne va faire tes funérailles. Celui qui fait tes funérailles ici. Celui qui fait tes funérailles, il s'en va. Si ça là, ça t'a pris. Celui qui va venir pleurer, faire tes funérailles, lui, il t'accompagne. Là, c'est toi qui prends, qui tiens toute la famille. En matière de sorcellerie, tu as toute la famille à main. Toi, ceux qui peux libérer la famille, c'est toi qui détruis la famille. Mais c'est vrai ce que j'ai dit. Mais il veut faire quoi? Pardon? Vous laissez ça là. C'est moi qui ai d'enlever ça. De t'enlever ça. Mets-toi en genoux. Tu es d'accord que ça quitte? Qu'est-ce qu'il n'a pas quitté? Les sorciers. T'as quitté? Tu es sûr? Si tu veux laisser ça. Je vais laisser. Tu veux laisser? Tu veux faire détruire les gens? Non. Ah, tu veux laisser tout ça? Tu fais mal. Hein? Tu t'es vraiment donné, j'ai fini tout. Mais c'est une maladie, sorcellerie. Ah. Ça fait toi mal. Mais il y a quelqu'un qui est venu t'annuler ça. Donne-moi une pénétration. Ma gueule, pas pour vous. Tu as des enfants, si aujourd'hui tu as ça, là, ça détruit la famille. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est d'accord. Quand elle est d'accord, c'est qu'elle est sur elle.
La vieille, ce que j'en ai de faire, ce n'est plus amusement. Tu es d'accord? Tu reconnais? Tu reconnais ça? Tu reconnais? Oui, la carte annulée. S'il vous plaît. Non, mais j'ai personne qui est la famille et ça ne tombe pas. Non, non, c'est oui. Vous pouvez les petits, c'est moi qui ai la parole. Non. Il y a la même chose qui dit que Jésus dit que c'est vous qui allez donner des instructions. On dit d'arriver. Non, c'est bon. La vie, il faut t'asseoir. Encore des genoux. Là, vous êtes en les fesses à terre. La vieille, je suis ton fils, hein. Mais donne un seau d'eau. De l'eau, mets de l'eau dedans. Je suis ton fils, voilà. Bon. Moi, je te vois comme une mère. Mais je suis homme de Dieu. Je suis au-dessus de toi. Comprends? Je suis venu t'aider. Alors, si, voilà, si je ne décris pas ça, c'est pas bon. Si je ne décris pas ça, c'est pas bon. Tu vas continuer de tous les gens. Tu vas commencer. Parce que quand tu détruis les gens, il n'aura plus de. Il va avoir les murs de méfiance. Il va avoir la méfiance. Il va avoir les murs de méfiance. Or, je sais que ce que tu as. Tu as le pouvoir du chat. Or, le pouvoir du chat, c'est le plus grand des pouvoirs que votre maman a. Vous voulez que je détruise ça? Maman, on est fâché contre docteur ou bien? Non. Moi, je suis docteur. Je suis docteur. Tu sais, non? Tu veux que j'enlève ça? Oui. D'enlever ça? Oui. Okay. Enlève-moi ton truc en haut. Ça peut quand même venir à Paris. Oui, à Paris. Tiens, viens voir. Je suis en train de te soigner, hein? Hein? Soigne-moi. La vie, elle habite où? C'est ici. Qu'est-ce qui s'est cassé? Scandalise, hein? Non. Ah. Je suis en train de détruire. C'est devant vous qui avez dit qu'elle a ça. Oui. Hein? Il n'a pas mis une pression. Il n'a pas commencé à acheter. Attrape. Les choses vont venir sur. Oui, parce que c'est. Gabriel, on va t'enlever ça. Tu vas là dehors, le pasteur va s'occuper de toi. Je vais expliquer comment ça fonctionne. J'ai un détecteur dans ma tête. J'explique. Non, parce que je vois le visage des gens et que je dis je suis contre les gens. Non. Et quand je suis là, comme un détecteur, une fois ça clique au niveau de la tête, ça prie. Voilà. Donc, ils sont en train d'aider. Ça, c'est une première partie. Là, on aura l'occasion de faire des jardins demain. Voilà, on va la mettre demain. Non, non, non. Je vais qu'il disparaisse, non, on est sur le haut.
Que nous pas la fille est chibou. Où vous êtes où? Je suis à Dijon. Vous avez pratiquement. Je vais expliquer les deux problèmes. La sorcellerie. Elle nous porte un vêtement de sorcellerie. Elle. Et toi, tu as dit de sorcellerie. Mais quand tu es heureux, tu es toi là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas policier. Et puis du coup, tu vois cette personne en tenue de policier. Tant que tu n'as pas mené les enquêtes de savoir si c'est ma vraie profession, tu vas penser qu'il est policier. Voilà. Or, mais ils ont la capacité de faire ça. Vous, Dieu, vous avez le même problème. On vous porte mystiquement des habits en sorcellerie. C'est-à-dire, on peut utiliser votre corps, aller pratiquer la sorcellerie. Or, si ce n'est pas fait, ce n'est pas détruit, vous allez voir que même dans les villages où les gens font des parties de cercueils dans ce temps, ça va devenir croyant. En fait, ce n'est pas un bon voyant, il va vous détruire. Est-ce qu'on peut détruire ça? Je suis voyant. Mais c'est lui qui a dit. Je suis voyant. Alors on ne dit pas là où. Tu savais, tu étais déjà dans la sorcellerie. Si tu ne sais pas, c'est que tu es dans la sorcellerie. Si tu sais, c'est que tu es dans la sorcellerie. Si tu ne sais pas, c'est que je t'ai bien dit. Porter la vie n'est pas du concept. Non, porter la vie n'est pas du concept. Or, tout le monde peut, quelqu'un qui va pas te dire tes sorcier. Ils vont même t'accuser. Or, ta vraie identité, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui prend ton vêtement et tout ça. Or, la plus dangereuse, la vie, elle est très dangereuse. Amen. Est-ce que vous avez réglé ça? Il n'y a pas de problème. Je suis venu vous aider. Hein. Oui. Amen. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Vous allez lever un an. Vous allez lever un an, vous allez lever les mains. Et ici, c'est moi qui suis à la base des problèmes de la famille qui vient pratiquer la sorcellerie. Il faudra que 2 mois me dépassent, que Dieu me châtie. Vous avez compris? Voilà, chacun va passer. Un à un. Il y a un bon, il y a un message. Message naturel. Thank you.
Elle vient d'où? C'est la grande sœur à mon papa. Sœur. La petite sœur, oui. Ah bien, ça va? Où est-ce que maintenant tu as vu? Comment elle est dans ma chambre? Elle est en mode. Elle est en sa petite sœur, sinon elle vient. Sa petite sœur a perdu son mari. Donc okay. Ah bien, la société. Ah bien. Viens. Faut t'asseoir. Oh là là. Ah ouais, la chaise. Je suis venu t'aider. Tu comprends pas quoi? Non, pas mal. Elle vient faire plus. Elle a le pouvoir de la société. Donc, oui. Bon, t'as vu. Parle plus, effectivement. Tu l'as laissé l'eau, la fille. Au four, au là. Oh, pourquoi on t'a annoncé? Elle a bien du coup, elle a pas la route de carré. Donc, là, on peut monter. Mais du coup, c'est une maladie. Donc, oh, bah,